Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple le jeu FC24 à seulement 34,49€. Il en va de même, par exemple, si vous êtes fan des jeux Dragon Ball, eh bien, il y a le jeu Xenoverse 2 à seulement 7,23€ ou encore le jeu Dragon Ball Z Kakarot à 11,43€ seulement. Bref, faites-vous plaisir. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fabien Pic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où je vais aller tester le nouveau Megaté Ultra sur le compte de ma femme Ludivine. Voilà, elle l'a chopé hier lors de notre duel invocation en live sur ma chaîne YouTube GGL. Moi, j'ai pas eu le droit, alors moi, vous le savez très bien, j'avais testé un petit peu de choper le Megaté Ultra, pour l'instant je l'ai pas eu et je préfère vraiment forcer sur le portail du tag Badak et Goku LF. Alors pas parce que c'est plus fort ou quoi, peu importe, c'est parce que regarde frère, j'ai des figurines de Badak partout, c'est mon personnage préféré de la licence Dragon Ball. Et moi je joue à Dragon Ball Legends pour le kiff, pour la passion, et forcément j'ai envie de jouer avec ce personnage, donc c'est pour ça que je force sur son portail. Mais j'ai tout de même envie d'aller voir ce que vaut ce Megaté Ultra en PVP, donc comme d'habitude, max le pouce bleu en mode Genki Dama, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, on est parti. Yeah! Ok, pour cette première game, bah tiens, lui, il a le tag Badak et Goku, hein, avec le Vegeto Blue Ultra. Bon, et bah moi, on va partir, voilà, on va partir comme ça, hop, on prend ces trois-là, et on est parti en combat. Ça, c'est bien stylé, j'avoue, l'animation est bien stylée. Allez. J'avance, tranquille, voilà, il y a l'escrive, hein, c'est ça qui est intéressant avec Megaté. Voilà. Ok, parfait. Ah oui, c'est vrai, purée, c'est une verte. Je n'ai pas le tag, donc forcément, je suis un petit peu déboussolé. Voilà, ça c'est parfait. Let's go. Ok. Parfait ça. On a bien un tempo là-dessus. Donc c'est pas mal, hein, les deux Gohan Beast là avec le Megaté pour l'instant. Ça se passe bien. Voilà, comme ça. Ça m'a permis de bien recharger. Et là, ça va être trop fort. Il a voulu switcher, c'est mort. Bim. Termino. Terminada, terminado, termina tout ce que tu veux. Bim, c'est le chaos. Voilà, non mais ça c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort ça. Voilà. Ok. Ok, très bien. Il fait des dégâts le tag, hein. Franchement, il fait des dégâts le tag en face, vous avez vu? Tu vois ce que je veux dire? Le tag Badak, tout ça, c'est pas à prendre à la légère, hein. Ok. Donc là, attention, parce que là, il y a le Végéto, ça m'alloque. Voilà. Hop. Ish. Bon, vous avez vu, hein. Vu qu'il avait fait rentrer Végéto, forcément, ça me lock l'esquive. Derrière, j'ai mis Gohan Beast, et là, il prend un peu la sauce. Voilà. Ok. Ish. C'est pas mal, ça. Parfait. Comme ça, je le vois attaquer. Et là, je fonce. Bim. Voilà. C'est trop fort. C'est trop fort. Franchement, là, le Megaté Ultra, c'est incroyable. Là, avec la verte et tout, ça bousille le perso, là. Pff, voilà. Terminé. Voilà, hop, j'ai l'esquive en plus. Hop, on récupère du ki, du coup. Donc, la verte donne du ki, des PV, tout ça. Donc, là par contre, là, le tag, regardez. Hein. Voilà, oh, bah ça, c'est fort aussi. Pff, non, c'est trop... C'est abusé. J'allais dire... je sais plus ce que je disais, parce que je suis à fond dans la game... Mais en gros, le Megaté, franchement, il a une mécanique incroyable. Après, le tag, attention, parce que franchement, ça fait bobo quand même, le tag en face. En plus, il a bien récupéré des PV, tout ça. Bon, là, normalement, ça devrait bien tanker sur le Végéto Blue Ultra. Alors, par contre, ce que je peux remarquer, c'est que le Megaté, effectivement, il a une sacrée mécanique de ouf. Par contre, c'est pas des dégâts colossaux, hein. C'est pas des dégâts colossaux. Alors, je suis à 5 étoiles, forcément. Mais attention, c'est dur d'avoir des étoiles sur un ultra, hormis d'être chanceux, tu vois. Voilà. Parfait. Je vais même pas chercher midi à 14h, voilà.
Parce qu'on n'oublie pas... vas-y, me le contre pas serait bien. On n'oublie pas que ce tag, tu sais, il peut avoir ce qu'on appelle l'immortalité, je crois, c'est comme ça. Allez, bah voyons. Allez, ich, bim, KO. Ok, comme ça, je le vois attaquer. Voilà. Ich. Bon, bah voilà. Hein? Allez. Oust. Mais là, vous voyez, alors, vous avez vu le Gohan Beast? Le nouveau Gohan Beast de ce Legend Festival, là. Le Migaté, tu mets les deux ensemble, c'est incroyable. Parce que le Migaté, il a une mécanique de fou, et le Gohan Beast, incroyable, il vient, lui, il cogne. Ah, lui, il cogne. C'est, franchement, les deux ensemble, comme ça, c'est masterclass. Par contre, bah, je sais pas, mais... Après, voilà, je sais pas, on va voir, on va continuer, mais... Petite préférence tout de même pour le Gohan Beast, contrairement au Migaté. C'est cool le Migaté, hein, forcément, franchement, c'est super cool et tout. Mais, putain, Gohan Beast, franchement, waouh. Deuxième game, très bien, il y a le tag Evo. Ok, pourquoi pas. Bon, on va prendre les trois mêmes et on est reparti. Allez, l'animation de l'Ultra en mode sérieux vénère. Voilà, parfait ça. Ouf, oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Donc la Beast, bim. Voilà, petite verte, ça va ramener une spé. Voilà, et comme ça, on arrache bien. Et une échalote. Oh. Et il a bien tanké, échalote, hein. Quand même, hein. Il était même pas transfo, tout ça, il a bien tanké, hein. Ok. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Ok. On va récupérer les points de vie avec la verte. Voilà. Ok. On en a remis encore une. Oh, oh, oh. Par contre, là, ça m'a fait mal quand même. Oh, wesh, wesh. Ok. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que... Bon, bah, c'est que Beast et Migaté ensemble, c'est ouf. Franchement, là... voilà, tranquille. Voilà. Ok, alors, soit je réussis, soit... Bon, bah là, je suis bien. Mais si jamais je réussis pas, bah, tu peux prendre davantage. Ok, très bien, let's go. L'aspect, je vais voir les dégâts. Oh. Waouh. Ok, là, on récupère le ki, tout ça, les PV. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, la tempo de ouf. Bon, bah là... Là, les frérots... Mais regardez bien le Gohan Beast. Ce que je vous disais sur la game d'avant. Regardez bien les dégâts là. Là ça va one combo là. Regarde Tema. Bim. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tellement de cartes là qui arrivent à l'écran, tu vois. C'est voilà, avec le LF. Bim. Non mais oh là 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 là. Sampo. Oh là 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 là. Incroyable. Franchement, non mais... Incroyable. Migaté, mécanique de ouf, comme je dis. Mais ça manque de punch, tu vois. Par contre, Gohan Beast, lui, il n'est pas là pour blaguer. Non, mais Gohan Beast n'est pas là pour blaguer. Tu vois ce que je veux dire? Les dégâts, là, le tag Evo, il a rien compris, frère. Il est parti à la cuisine, et on n'a pas le temps. On l'a envoyé chez sa maman, la taloche, la tartine Nutella, on n'a pas le temps pour ça. Ok, très bien, là, il y a trois ultras en face de nous. Il y a le Gogeta Blue Ultra, le Hit Ultra, le Vegeto Blue Ultra, pas mal de rouges. On voit qu'il a peur du Migaté. Bah, si t'as peur du Migaté, moi, je vais te montrer le mien. Tu vois, on n'est pas là pour rigoler. Nous, tes rouges, ils nous font pas peur. D'accord? Et puis là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le Gohan Beast type bleu, qui peut bien les froisser. Et également, le Gohan Beast transfo type rouge, qui est vraiment costaud. On va se concentrer un minimum tout de même. Let's go. Ah bah. Pff. Non, mais là, vas-y. C'est abusé, qu'est-ce que c'est que ça encore? Allez, oust. Voilà. Hop. Oh là là. Ok. Ok. Oh là là, on peut même pas faire de charge step comme il faut.
Ok. Allez, vas-y, les lags là, c'est abusé. En plus, tu prends la fessée là, allez, allez. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour. Voilà, on n'a pas le temps pour tes histoires. On n'a pas le temps pour tes histoires. Hein, tu vas à la cuisine, tu vois que t'as pas le level. On n'a pas le temps pour tes histoires. Retourne dans le château de sable. Et voilà, c'est tout. Oh, l'Akatsuki. Très bien. Par contre, c'est quoi cette team? Ça, souvent, ça, c'est un mec qui s'est trompé de team. C'est team PVE. Bah, moi, je vais prendre les miens. Alors, je veux pas être médisant, mais ça va être compliqué pour lui. Allez. C'est parti. J'aime beaucoup les effets autour du Migaté. Voilà, j'avance tranquille. Voilà, tranquillement. Et bim! Ouf. Voilà. 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 Non mais là. Ouais, dès le début en fait. Ouf. Ouf. Bim, allez, KO. On n'a pas le temps. On n'est pas là pour rigoler, monsieur. Ok, très bien. Ok. Allez. Voilà, on n'a pas le temps. Hein, voilà. On n'a pas le temps pour tes histoires, toi non plus. C'est... voilà. Bon, je pense que le mec, il avait compris que ça allait être vraiment très, très compliqué pour lui, sa team contre la mienne. Donc, il a préféré se barrer. En soi, c'est bien, il ne fait pas perdre de temps. Mais on n'a pas le temps pour ces histoires, nous. On n'a pas le temps, on enchaîne. Très bien. Là, il y a du Vegito Blue Ultra en face avec le tag Tournoi du Pouvoir, 7 étoiles. Le tag Evo également. Là, c'est pas mal. Là, c'est un peu plus équilibré. Là, comme team, elle est vraiment intéressante. Moi, je prends les trois mêmes et on recommence. Et surtout, moi, j'aime beaucoup affronter les tags Evo. Hein, Vegeta Blue, Evolution, le Goku Kaioken, parce que je l'ai pas. Donc j'aime bien mettre les fessées. Ou pas, mais ça, on verra bien. On va être parti. Let's go. Migaté no Goku Ida. Donc là, voilà, hop. Alors par contre, ça a l'air de laguer. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette game encore? Ok. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. Je l'ai attrapé. Alors par contre la game elle lag de ouf. Elle lag de ouf. Oh là 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 là. Ah ouais mais. Ok. Voilà. 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 Et le kill. Ok. Là c'est bien. Là c'est parfait. Ok. Parfait ça. Ich. Oh là 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 là, avec les lags et tout. Mais ça passe, hein. Malgré les lags, ça passe, hein. Voilà. Bon, pour l'instant, on est sur un perfect, hein. Non, mais là, mon garçon, va falloir partir. C'est pas possible. Ouf. Cuisine. Voilà. Hop, on se transfo. Ouais. Le Grand Beast. Allez, let's go. Voilà. Bon, là, laisse tomber. On est sur un perfect, les frérots. Bah là... Là, c'est... Frérot, je veux pas être méchant, mais... C'est pareil, faut que tu fasses comme tes compères. Quitte. Bon. Quitte. C'est mieux. Sinon, tu me laisses LF. C'est au choix. C'est à la carte. Parce qu'on n'a pas le temps pour ces histoires. Hein. Il y a Migaté, il y a Gohan Beast ensemble... On n'a pas le temps pour eux. Let's go. Ok, très bien. Voilà. Là, vas-y, hein. Fais-toi plaisir si tu veux. Fais-toi plaisir. Ah bah voilà, ça, t'as compris. T'as compris. Bon, on n'avait pas le temps pour tes histoires, toi non plus. Bon, hey, là, c'est un délire, les amis. Migaté avec Gohan Beast, franchement c'est incroyable, j'avoue c'est incroyable. Est-ce que je vais abandonner l'idée d'aller invoquer sur le tag Badak et Goku élève pour le Migaté? Bah la réponse est non, j'ai quand même envie d'avoir mon Badak tag Goku, donc je vais continuer. Par contre si j'arrive par je ne sais quel moyen à l'obtenir, après ouais j'avoue j'aimerais bien quand même avoir le Migaté, et puis après jouer les trois ensemble, tu vois, bon voilà.
Ça serait vraiment un truc de ouf. Voilà, bref les amis, merci de pouces bleus. Donc évidemment, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo et aller sur le site Instant Gaming, tous les jeux vidéo en promotion. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.